FURY perd la game vite. BO5 ou pas? Non, BO3, BO3 le gagnant en top 8. Parfait. Top 8 qualifier. Attends, c'est le top 8 qualifier. Arrête. Pas... On a volé la venue. Ma mère, c'est top 8. On part sur PS2. Toby Dial versus Toby contre Frink. Ils sont en train de regarder là. Allez, dehors. Ok, la game en fait, va être très longue, je pense, parce que là, les refs, ça va camper. Alors, je me souviens d'un mec qui a dit il faut surtout pas mettre Sonic contre Plant en stream. Mais attends. J'ai oublié que c'était. Attends, ah, mais frère, c'était le Théo de l'événement. Mais je trouve bien Fury Drake. Fury Drake, le meilleur joueur de Saint-Etienne. Il est meilleur que Nino. Voilà, je dis les termes. Enfin, je dis. On a vu Jill Rattengrab, il y a une compétence spéciale sur la plante de Fury Drake, spécialement, c'est que. En gros, tu peux pas la grab sauf si t'es très très près. Parce que comme c'est comme ça, meuf, elle est tellement petite, si t'es pas très près, tu peux pas la pécho, tu as capté ou pas? En plus, c'est la bulle tech Marie. La compétence de Fury, c'est que si tu fais un combo, elle se dit il. Oh! Quoi qu'il arrive. On a un autre qui a Zayin, hein. Ah bon, ça. Comment ça? Oh! Faudra qu'il est en train de s'imposer dans un match-up impossible! Oh, j'ai fait la courir dans ce match! Serait-il meilleur que Nino? Non, ça fait. Non! Meilleur que Pino le Pitol. Regardez ma run aujourd'hui. Il a la même. Bah, fallait pas mettre un lotier, hein! Fallait pas se faire upset par une Bayonetta, hein! Excuse-moi, Glutoni! Ok, il a codé la Bayonetta, en vrai! Oh! Il a perdu sur le seul match-up positif de son perso! Les gars, théorie, plante, ça la mérite du jeu! Pac-Man, calme! Pac-Man, tu peux exploiter, tu vois, tu peux aller sur trampoline. Oh la tech! Il tech mieux que Nino. Il fait tout mieux que Nino. J'avoue, il est meilleur que Nino. Il a une meilleure coupe de cheveux que Nino. Regarde, là, meilleur mix-up de remontée que Nino. Voilà! C'est incroyable, voilà. Furydrak, ça bouge. Furydrak est dans la catégorie serrurier. Tandis que Nino, on est plus sur une porte battante qu'une serrure. une fenêtre, grand max. Une porte ouverte. C'est les portes ouvertes là. Un Velux. Et en attendant, on voit que Jill il est quand même sacrément bien revenu. Oh le trapeur. Forcément au détriment de ce que Furydrak nous proposait au début. On a raté ici encore ce grab. Hein. On a un peu du mal du côté de Furydrak à utiliser tout simplement les touches de base. On voit que le déplacement vers la gauche est particulièrement difficile. Hein. On est plus à l'aise vers la droite pour le moment. Bizarre. Oh! Magnifique down B en désavantage de la part de Furydrak. Ça c'est la spéciale stéphanoise. Je vous connais, dès que vous êtes envoyé off stage, vous tentez un side B1 down B1 spécial. La spéciale stéphanoise. Pardon. Et tandis que pour le moment Furydrak est clairement dans de beaux draps. On sent que c'est un peu difficile en fait de ne pas subir. Il est obligé de jouer en deuxième et de jouer en react. Et ça fait les affaires de Deal qui peut imposer un gameplay très agressif. On rappelle que si vous croisez un Sonic en braquette et qu'il vous dit mais t'inquiète pas, je suis un Sonic mais agressif, il fait partie de tous les mêmes Sonic de France qui pensent être agressifs. Merci. Merci. Ok. La plante de Furydrak, c'est une plante qui est passif agressive. Il y a des moments où c'est un peu là, moi, une bipolarité, elle a une maladie mentale. Mais il y a des moments, elle est surtout. Je pense qu'elle est sous Jagda à des moments, tu vois. Bah là, je le vois plus sous votre câble à Dreamcopter parce que sur autre chose. Des fois, j'ai l'impression que la plante, elle a un peu de respiration. Je suis bien d'accord. Poison, tu vois. elle est sous son propre poison. Le man est sous votre câble et le ballon. Elle est complètement tombée encore. Eh oui! La même chose en boucle, mais Dil qui n'a pas puni, elle a dû se dire ok, mon adversaire est intelligent, elle va pas quand même refaire 4 fois la même chose. Spoiler si. NON! Le Kimbo MP! C'est pas possible! Le voleur! Le voleur! Le voleur! Ce Fury Drak est à Arbi! C'est Deid Arab! C'est Deid Arab! Le voleur! Madarab, Madarab! We take those! We take those! Dil qui a été un peu impressionné, je pense. On a les... En fait, il a fait un truc de fou, c'est genre il a up B, rien. Ouais. Après, en même temps, c'est un peu bizarre le up B de plante. Genre, ah bah non. Bah non. Bon, et bah Sonic, Sonic il y a une recovery de merde. Ah non, bah non, tu trouves pas. En plus, c'est vrai que Sonic il va pas. Ah bah. Je sais pas expliquer, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs. Peut-être qu'il a jamais joué contre plante. Ah bah non, bah si. Moi je l'ai calibré sur plante normalement. Une fois j'avais joué contre plante, je crois que je lui ai mis 17%. Non, je pense que c'est une heure qu'il a pas. Non, non. Non, peut-être que plante a le match-up. Ah bah non. Attends. Sorbexos, River. Oh, il est tellement sombre. Ah, c'est vraiment du top 8 qualifier en plus, c'était même pas un mensonge. Et après, je joue contre Fury, il gagne. Incroyable. Xou. Plus jamais ça, s'il te plaît, Donatello. Tu fais ça, je. Plus jamais. Tu sors de la tête. Ça. Ouais, je suis un peu trop Warda. Ah ouais. Warda. Elle est trop ouverte. Attends, je sors tweet. Directement du robinet de Izenza.
En voilà un backer très blackata. C'est le backer qui a le plus de lag du jeu d'ailleurs. C'est le backer qui a le plus de lag du jeu si vous vouliez savoir. Donc évidemment alors il s'auto-cancel donc ça peut bouger. La DI full up. Alors on a tendance à beaucoup de DI up sur Tarnet City parce qu'on meurt. Elle est vraiment trop hard. 19 blocs. Mais évidemment c'est pas facile hein. Glenda. Allez. Focus, Fury, Drag. Soulek. Voilà, les mêmes choses en boucle. Aïe aïe. Attends, Plan, c'est pas la mercure du jeu du coup. C'est Comaladé, il est sous ballon au volant, il n'arrive pas à diriger son aéroplaneur. 7 grammes, 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Fury la pile, hein. Sauf en weekly, apparemment, du côté de Fury Drag qui. Ça fait du cash, mais qu'à santé. Ah ouais. Non, y'a pas de team de weekly. Ah, juste à l'hebdomadaire, tu gagnes, t'as pas d'argent. Sinon, tu. Ah ouais. Wow. Oh là là. Oh. Darin qui dénonce. Darin qui dénonce. On ne répétera pas ce qu'il a dit évidemment. Et non. C'était extrêmement insultant. Je crois qu'il a dit Zixar, ouais. Oh, non. Je ne dirais pas qu'il a dit ça. Je sais pas, après, moi, je sûr, veux pas qu'on parle mal de mon ami, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est... Non. Ah oui, merde, c'est vrai. Ah, Dixon, je crois que t'avais dit Zeka, putain, merde. Oui, bon, bah, ça. Du coup, c'est pas mis toujours ou pas? Ce n'est pas mes affaires. Ouais. Alors, attendez, parce que pendant qu'on est en train de parler, je vais vous donner une autre anecdote sur la plante Piranha. Le upper. Alors, s'il vous plaît, les gars, le upper de plante. Sur le upper de plante Piranha, la tête de plante est totalement invulnérable. Et sur ses up smash ou autres, les lèvres sont invulnérables. Wesh. Donc, attention à dire à ne pas trop essayer d'envoyer de dernier rendez car Fury Drac aura l'avantage lié au fait que plante possède des disjoints en même temps. Il lui fallait c'est bien ça. C'est pour ça que je peux pas donner sur elle. Oh. J'ai tout vu. J'ai tout capté. Plante, elle a beaucoup de spécificités quand même. Hein. C'est quoi ces grosses lèvres? Il faut connaître Plante, hein, tu peux pas. Des grosses babines, des grosses babines, on dirait. Oh why. Moi j'allais être plus gentil que ça, tu vois. comment il s'appelle votre main joker là? Echo? Non, Dawicha. Ah, j'allais dire, il a les grosses babines à Dawicha. il va t'attraper, t'es mort. Ouais, non, t'es mort. Clippé. Le motif, ce sera juste si tu gagnes pas en 5 coups. Alors, savez-vous pourquoi Fury Drac est en train de nerf Oh là là là. Encore la même chose en boucle du côté de Fury Drac, un disque rayé. Encore une fois, encore les mêmes erreurs toujours à chaque c'est fois. C'est ça, les mêmes histoires, les mêmes erreurs comme dirait Akira Toriyama. Alors savez-vous pourquoi Fury Drac alors Fury Drac j'ai encore un down B en DESA. Là c'est plus des mix-up, c'est Attends, c'est broken en fait. Et oui, Albert Einstein a dit faire la même chose en boucle c'est et croire un résultat différent, c'est la folie. Fury Drac serait-il fou? Alors, je ne sais après, pas. Est-ce que Albert Einstein est top 3 synthé? On s'en fout. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que la raison pour laquelle Fury Drac il essaye de nerf Drag Down, c'est que nerf Drag Down dans Smash, c'est trop et c'est un kill confirme de plan de Piranha. Donc si Dil m'entend, fais gaffe, ça va être horrible. Ok, là-bas, là-bas, tu allez. Là, ça tue. Allez, Dil, si tu m'entends, va le chercher très bas s'il le B. C'est un conseil d'ami qu'on peut lui donner. C'est la première fois que je vois une France faire Edgeguard par contre. Ouais. Non, là, hey. Dil il va rentrer, il aura plus gagné ici que en se balançant sa journée de taf. Toute sa vie. Oui. Doucement sur le chômage des gens Smash. Oh. En plus, je pense que Dil gagne plus que nous tous réunis. Peut-être pas, mais peut-être pas. Mais il est beau comme il est. C'est vrai. Que... Après, dommage, je Sonic, hein. Dommage, je Sonic. Honnêtement, s'il se prostitue, je pense qu'il gagne plus que Fury est trop éteint. Fury est trop éteint. C'est vrai que c'est un match-up qui est très difficile. On voit Fury Drac qui essaie de réfléchir. On n'a pas l'habitude de le voir réfléchir, Fury Drac. Hein. J'ai même l'impression de voir sa grosse veine sur le front. Si on peut zoomer à la cam, Kaïs à la régie. Kaïs à la régie, bon, c'est pas forcément t'es capable. Ah non, il est en DMSTA, pardon, excusez-nous. Sur la tête de Fury Drac. Il était juste...